Bonsoir à tous, nouvel épisode ce soir entre Nice et Naples ce soir, donc pour l'événement avec donc un charter flight ce soir avec la British Airways qui nous fait l'honneur et le plaisir ce soir donc de faire ce vol ce soir en charter flight. Donc afin d'être clair, tous mes vols sont effectués en charter flight, d'accord? Donc je suis désolé pour certains qui veulent voir des vols réalistes, ça ne sera pas le cas sur cette chaîne, malheureusement, il n'y aura pas ça. Alors, je voulais revenir sur certaines choses concernant les haters, concernant les gens qui ne sont pas d'accord avec ma politique et qui ne sont pas d'accord avec ma chaîne, son contenu ainsi que mon Discord et pour les personnes qui cherchent à me porter atteinte depuis 5 ans maintenant. Je vais être très clair parce que je pense que les personnes soit sont autistes et le font exprès, soit ne comprennent pas le français. Soit sont bêtes, soit sont en manque d'éducation et de maturité. Alors je vais être très clair concernant ça. Je vais être très clair et je pense que mon explication va falloir qu'elle soit claire pour certains et que ça rentre dans le cerveau de certains, que ça sort pas d'une oreille, que ça ressort de l'autre. D'accord? Donc, si je vous fais ce petit message vidéo, ce petit coup de gueule, c'est pour vous expliquer que il y a quelques jours, nous avons reçu, parce que je le sais, hein, avec l'expérience, avec ce que j'ai vécu avec Yves, qui se sont amusés à contacter des membres de ma famille, et comme je leur avais dit à ces haters que c'était moi qui avais la main sur tout, là, pas de chance, sur ce coup-là, de toute façon, je vais être au courant et avise tout de suite, de manière à être très clair. J'ai du respect vis-à-vis des ATC qui savent contrôler, des personnes qui savent piloter et qui savent contrôler. D'accord? Les personnes qui sont là pour me casser, excusez-moi, hein, je vais pas dire le mot, mais qui sont là pour me les briser par rapport à ma chaîne, qui sont là par jalousie, ou qui sont là parce qu'ils ont envie de casser du sucre, ou qu'ils ont envie de foutre en l'air une chaîne ou une personne qui est passionnée, pardon, d'aéronautique, et dont vous avez la majeure partie des gens qui ne font que mentir. Hein, pour certaines personnes qui ne font que mentir et qui ne font qu'influencer des staffs de réseaux d'aviation civile virtuelle, je vous le dis tout de suite, je vais être au courant et je peux vous dire que dès que je vais avoir le résultat, je vais le communiquer sur ma chaîne. Si c'est pas les réseaux d'aviation, si ça ne me concerne pas, je vous le redirai. Mais par contre, si ça me concerne, préparez-vous pour certains à avoir extrêmement peur, comme je vous l'ai dit. Quand je vais passer mon S3 pour certains, il y en a qui vont être suspendus et il y en a des gens qui ont commencé à faire les frais. Je vous le dis, puisque je le sais en conséquence de cause. D'accord? Il y en a qui veulent faire leur malin et les autistes à bloquer des pistes. Vous voyez ce que ça avait donné. D'accord? Donc, à ce sujet-là, je vais être très clair. Ma chaîne n'est pas un lieu de dépotoir. Je pense m'être suffisamment expliqué. Je pense aux gens qui ont écouté ce qu'on leur a dit. Je vais être extrêmement clair. Jamais, écoutez bien ce que je vais vous dire, jamais je n'ai insulté de membres au staff sur des réseaux d'aviation. Je respecte tout le monde. Mais quand on n'est pas capable d'être mature, grand, et qu'on écoute les personnes qui sont victimes d'un vol d'identité, je le dis très clairement pour les personnes, ce qui est un vol d'identité, parce que faut être très clair. Un vol d'identité, c'est une personne qui se fait passer pour vous alors que ce n'est pas vous. Et il faut démontrer que c'est vous qui êtes victime de vol d'identité. Vous voyez comment c'est compliqué? Bon, ça va être fastidieux là. Hein. Donc, en fait, très clairement, j'ai bien compris, parce que j'ai été donc banni aujourd'hui d'un Discord français, hein, je ne vais pas donner son nom, mais d'un modérateur qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. D'accord? Quand je dis un modérateur qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que quand on lui dit, bah non, mais attendez, quand c'est une personne qui vient sur le Discord pour en découdre, pour me manquer de respect, pour me menacer, pour faire ceci, pour faire cela, voilà. Je vais être très clair parce qu'il y en a qui jouent les autistes de base. Moi, mon discours, il est radical. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas capables d'utiliser Internet ou même les réseaux d'aviation, vous coupez vos ordinateurs, vous allez prendre des formations. Je pense l'avoir déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Et non seulement sur les vidéos de formation qui vous étaient conseillées en termes de pilotage et en termes d'ATC. Je reviens rapidement sur le point d'hier. Pour la personne à Bordeaux, c'était dramatique. D'accord? Et je pèse mes mots. Alors, à ce sujet-là, je tiens à être extrêmement clair. Les personnes qui sont là
pour soit me foutre le bordel, soit n'a pas vocation à être un dépotoir. Oui, je suis quelqu'un qui est cru. Oui, j'applique une tolérance zéro de mise. Parce que ma chaîne, il y a des gens qui sont passionnés d'aéronautique. Et je pense que les gens n'ont pas à assister à un tel dépotoir. Donc très clairement, les gens qui ne sont pas capables de modérer, bah, vous arrêtez votre ordinateur, vous allez prendre des formations dans le web et vous allez comprendre ce qu'est un vol d'identité pour certains qui jouent les autistes. Hein ? Je pense l'avoir déjà expliqué à plusieurs reprises, mais pour certaines personnes, c'est pas bien compris. Bah, c'est pas grave, on va réexpliquer les choses. Hein ? Il y a 4 ans, une personne m'avait accusé d'avoir hacké son site internet et sa base de données. Depuis, les victimes collatérales. Collatéraux sont des entreprises aux quatre coins du monde, Facebook, les réseaux d'aviation, je vais pas donner leur nom, d'accord, et des Discord français en vigueur dans l'aéronautique civile virtuelle. Mais ceux qui sont jaloux de mes capacités de pilotage et ou d'ATC, vous voulez juste pas vous arrêter 2 minutes de me porter préjudice et d'arrêter de prendre mon identité et d'arrêter de me créer du bordel? Hein, c'est pas possible pour certains? Je sais pas, quelle éducation vous avez reçue pour certains? Certainement pas la bonne. Donc, je vais être très clair. Et dès que j'aurai résultat, je l'aurai certainement ce week-end ou lundi. Lundi, je ferai une vidéo spéciale à ce sujet-là. Et je peux vous garantir, écoutez bien ce que je vais dire, je peux vous garantir d'une chose. Si j'entends me faire disparaître des réseaux d'aviation, je peux vous assurer que je vais avoir le nom de la personne parce qu'on va me le communiquer. Et je peux vous assurer que le nom de la personne, je vais la descendre comme pas possible. Vous êtes prévenus. Pour certains, je l'ai dit, c'est carré, c'est clair, c'est net et c'est précis. Je vous le dis, hein, je le saurai le résultat. Moi, je suis pas là pour foutre le bordel au sein de ma chaîne. Moi, je suis responsable, je suis grand, je suis mature et je suis capable de donner des instructions de roulage, taxi, take-off et de pilotage. Pour certains, il y en a qui en sont pas capables. Alors, je vais répondre aux commentaires cet après-midi qui a été laissé par Basile. Alors, très clairement, je vais répondre à son commentaire. C'est pas une question de manquer de respect à un contrôleur. C'est une question du fait que quand on t'accuse à tort d'avoir hacké un site internet et une base de données sans preuve, hein, preuve technique, factuelle ou photographique, parce qu'il y en a certains qui s'amusent à photoshopper, je vais être très clair, oui, j'ai un discours qui est extrêmement dur, extrêmement ferme. Mais dans les youtubeurs français passionnés dans l'aéronautique, vous n'avez pas ce même discours. Non, il y en a certains qui pensent à l'argent. Bah oui, hein, c'est tellement plus facile de descendre quelqu'un dans l'aéronautique qui ouvre sa chaîne, qui montre sa passion pour l'aéronautique, qui vous propose des événements, qu'il y en a qui sont prêts à tout gâcher. Pour certains, pour me faire disparaître de l'aéronautique parce qu'ils sont juste jaloux. Et parce que ce sont des personnes qui sont incapables d'assumer leurs actes et incapables de dire la vérité aux gens. C'est malheureux, hein. Mais pour certains, c'est ça. Alors, il y a une story qui a été mise en ligne sur Instagram, pour certains qui me suivent sur Insta. Tous les gens sont au courant de ce qui se passe, d'accord. Donc là, vous allez être au courant ce soir, donc après l'événement, d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que le vol LIRN, LPPT en fonction de l'heure, soit je ferai le retour ou pas, on verra. Mais je tiens à être très clair, toutes les informations... Donc je disais, j'ai été coupé, donc je disais que pour les personnes qui sont là dans le but de nuire, comme je vous l'ai dit, à ma chaîne et à son développement, je vous invite, pour certains, à aller voir d'autres chaînes de grands youtubeurs, hein, avant d'aller contacter des gens, avant d'aller contacter des membres de famille et tout ça. Je veux dire, si déjà les réseaux d'aviation avaient une politique générale un petit peu plus dure, un petit peu plus ferme, on n'en serait pas rendu à ce problème-là. Ok. Voilà, je veux dire, à un moment donné, je peux pas être beaucoup plus explicite que ça. Quand je vous dis qu'à un moment donné, je vous ai dit les choses, je peux pas être beaucoup plus transparent comme je le suis. Si vous préférez croire des bruits de couloir, des on-dit, des gens qui sont là pour détruire les choses, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. On se retrouve tout à l'heure, quant à nous, lors du lancement sur cet événement. Mais voilà, je tiens à être très clair. À un moment donné, il va falloir que tout ça s'arrête. Et il va falloir que les gens qui ne sont pas matures prennent des formations dans le web, ainsi que pilotage et ATC. Voilà, à tout à l'heure. Allez, bonsoir à tous. Et on est parti, direction donc Naples. Donc il y a la tour qui est là, 118 décimales 7, ça tombe bien. Donc sur 118... décimal 7, donc j'espère vraiment que les explications que je vous ai données en tout début de vidéo vous auront permis Aircrew 8 Niner
d'être clair. Good evening, sir. Number 2, reduce minimum approach speed. Minimum speed approach. Number 2. Nisto, bonsoir, de Speedbird 1787, on porte Charlie 57, on demande clair en CFR, destination Naples. Speedbird 1787, bonsoir monsieur, vous êtes autorisé pour Naples, Sodré 6 Alpha, piste 04 droite, niveau initial 100, transpondeur 1000. Autorisé pour Naples, Sodré 6 Alpha, départ 04 droite, niveau initial 100 et le transpondeur 1000, QNH1012, merci. 1787, correct. Break, Eglazure 2779, contact Nice Approach, 134, decimal 470, bye bye. Nice Approach, 134, decimal 470, merci pour votre call. De rien. Donc j'espère donc que les explications donc, de début auront été claires pour certains qui cherchent des poux dans la tête et certains qui sont jugés eux des capacités de pilotage et ou d'ATC. Voilà. Traffic inside, Air Pro 8902, number 2, behind the Legacy, maintain visual separation. Maintain visual separation, Air Pro 8902. Au revoir. J'attends que la PU se stable. Et je pense que mon petit point de gueulante au tout début de vidéo auront calmé certaines personnes qui cherchent. Ready to copy for Santa 335. Lufthansa 335, you're clear to your destination, Airmap 6 Alpha, departure runway 04 right. In 335, push and start approved facing south. Start approved, facing south, Lufthansa 335. Air France 495, wind 200, sorry, I call you back. Air Pro 892, number 1, expect a late landing clearance. Expect a late landing clearance, Air Pro 892. Je vais faire démarrer le 2. Fox My Tango, bienvenue à Nice, roulez parking à convenance. Donc on a terminé de repousser. On va attendre d'avoir la confirmation. J'espère que pour certains, les explications, comme je vous l'ai dit de début, auront été claires parce que moi, je vais pas perdre mon temps avec des gamins hein, et des personnes incapables de sanctionner les bonnes personnes qui emmerdent les autres. Donc voilà. Donc, je pense avoir été clair. Nice tour de Speedbird 1787, prêt à rouler. Speedbird 1787, roulez point d'attente. Alpha unité, piste 04 gauche. Alors Alpha unité 04 gauche, vous pouvez me confirmer, j'ai un Cessna sur ma droite qui va à vitesse assez élevée au sol. Vous pouvez me le confirmer, vous le voyez? Négatif, monsieur. D'accord. Nice Tower, good evening, sir. Air Pro 149, full establishment, ILS, runway 04 left. Air France 495, wind 200 degrees, 5 knots, runway 04 right, clear for takeoff. Clear for takeoff on the 04 right there, Air France 495. Air Pro 149, Nice Tower, good evening, sir. Number 1, reduce, continue approach, runway 04 left. Continue approach 04 left, number 1, Air Pro 149. Donc là, on est, souvenez-vous, avec le contrôleur d'hier à Lyon, qui a parfaitement bien fait son rôle. Portugal 1661, cross runway 04 left, taxi on short Whiskey 3, runway 04 right. Air France 495, contact Nice Approach, 134, decimal 470, bye bye. 134, decimal 470, Air France 495, thank you very much, bye bye. Air Pro 149, expect late landing clearance. Expect late landing clearance, Air Pro 149.
Merci. Nice Tour de Speedbird 1787 à Alpha Unité, on maintient position avec un trafic en finale. Affirmatif, maintenez position, je vous rappelle, merci pour votre patience. C'est pas grave, je vous en prie. Je vais juste m'avancer au point d'attente. Ils sont pleins à craquer. Plus on part tard. Transavia 768 negative, that was for AirPro 149er. Transavia 768, number 2, continue approach. Number 2, continue, sounds great. AirPro 149er, clear to land runway 04 left, wind 200 degrees, 5 knots. Copy the wind, clear to land 04 left, AirPro 149er. Thank you. Ah oui, j'ai réglé mon trim ou pas moi? Non, je l'avais pas réglé. Donc vous voyez, quand on est pressé, il faut régler aussi votre trim. Donc faites pas comme moi, le trim est réglé. PU sur off. Donc j'ai bien le trafic en visuel. Ah, de l'autre côté, c'est aussi plein. Airpro 055, hello sir, your number 2 to land, continue approach runway 04 left. Continue approach, Airpro 055. Windmill 148, expect takeoff clearance within 2 minutes. Windmill 148, watch out. Donc comme je l'ai dit, ceux qui s'amusent à me porter préjudice aussi, hein. Donc c'est une chaîne d'aéronautique, c'est pas une chaîne pour régler ses comptes, hein. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je préfère le préciser. J'ai le temps de traverser là ou pas? Transavia 768, wind 200 degrees, 5 knots, runway 04 left, clear to land. Clear to land, runway 04 left, 7 degrees. Airpro 055, number 2, expect late landing clearance. Non, j'ai pas le temps. Airpro 055, number 2, expect late landing clearance. Roger. Number 2, expect a late landing on 04 left. Donc là, on va en Italie, donc on quitte la France direction l'Italie et. Donc vous n'aurez pas le vol retour malheureusement, alors j'espère demain matin pour vous filmer les choses, mais... 87, traversée piste 04 gauche, roulez point d'attente, ou 3, piste 04 droite via Victor. Alors, 04 droite via Victor. Alors, on traverse 04 gauche, et après, Whisky 3 via Victor, Speedbird 1787. Windmill 148, wind 200 degrees, 5 knots, runway 04 right, clear of takeoff. Clear for takeoff, 04 right, windmill 148. Air France 711, line up and wait, runway 04 right. Air France 711, line up and wait, 04 right. Air Portugal 1661, are you able Quebec 3 for departure? Quebec 3 for departure is available. Roger that. Expect Quebec 3 for departure, Portugal. 1661. Robert, the king, give us the Foxtrot 77. Transavia 768, welcome to Nice. Taxi to the terminal 1, stand of your choice. What's your taxi to terminal 1, stand of my choice? 78, thank you. I brought 149er on stand 10 Charlie. Thank you for your assistance. Bye. Bye bye.
Windmill 148, contact Nice approach, 134 decimal 470, bye bye. 134 decimal 470, Windmill 148, merci, have a nice evening. Airpro 055, clear to land runway 04 left, wind 200 degrees, 5 knots. Clear to land, copy wind Airpro 055. Nice Tower, good evening, Airpro 350, establish ALS 04 left. Airpro 350, Nice Tower, good evening, sir, number 1, correction, number 2, reduce minimum approach speed. Number 2, reduce minimum speed approach, Airpro 350. Tab 1661, and say again the speed, please. Portugal 1661, expect Quebec 3 for departure, which is the first on your left. Can you see the text message, please? 021, final 04 left. Emirates 902, Nice Tower, good evening, sir. Number 3, continue approach, runway 04 left. Continue approach, number 304 left. Alors, il y a un 320, un trifle 7. Air France 711, wind 200 degrees, 5 knots, runway 04 right, clear for takeoff. Air France 711, 04 right, clear for takeoff. Air France 1003, Nice Tour. Air France 1003, bonsoir monsieur numéro 1, prévoyez clear en starbill. Alors il va faire aligner qui là derrière? Alitalia 6, Echo Fox, line up and wait, runway 04 right. Line up and wait, runway 04 right, Alitalia 6, Echo Fox. C'est Alitalia, celui qui est à ma gauche. Airpro 350, runway 8. Airpro 350, welcome to Nice, taxi to the terminal 1, stand of your choice. Taxi to stand of my choice, Airpro 350. Air France 711, contact Nice approach, 134, decimal 470, bye bye. 134, 470, thank you much, great job, Air France 711. Air France 1003, vent 200 degrés, 5 nœuds, piste 04 gauche, autorisé atterrissage. Autorisé atterrissage. Non, ouais, c'est le 777 qui va me passer devant. Il va faire quoi? Il va faire l'Air France ou moi? Ce qui aurait été beaucoup plus simple, c'est que le 777 prenne l'arche gauche. Bye bye. Speeder 1787, numéro 2 pour le départ. Alors numéro 2, après le départ, vous pouvez me confirmer que c'est après le 777? Vous êtes avant le 777, monsieur. Ok, pas de soucis, on lui passe devant. Merci. Donc, je prends un grand écart, histoire... Alitalia 6 Echo Fox, are you ready for an immediate departure? 6 Echo Fox, ready for departure. Alitalia 6 Echo Fox, clear for takeoff, runway 04 right, wind 200 degrees, 5 knots. Clear to takeoff, runway 04 right, Alitalia 6 Echo Fox. Emirates 902, number 1, expect late landing clearance. Copy, expect late landing clearance. Speedbird 1787, alignez-vous piste 04 droite et attendez. Signe 04 droite, on attend derrière. Speedbird 1787. Approach the first zero on blocks. Thank you for service, sir. You're welcome, bye-bye.
Air France 1003, bienvenue à Nice, roulez terminal 2, porte à convenance. Donc j'espère vraiment, donc là vous voyez donc. 0,4 droite, autorisé décollage. Autorisé décollage, 0,4 droite, speedboard 1787, merci. Ah ouais, on est obligé de pulser, quand vous êtes en event, vous êtes obligé de pulser. Faut être pro, très pro, du début à la fin. Ouais, ça c'est parce que j'ai pas mis mes bacs, ça putain, fait chier. Chier avec la précipitation, 80 knots, checked. Alors tout le monde ne peut pas être parfait, mais ceux qui critiquent, ça serait bien. V1, rotates. Positive climb gear up. Uniform approved, terminal 2, stand off your choice. Terminal 2, stand off your choice, Peter 1787, contact des Nice approche, 134, décimal 470, bonne soirée. Avec approche 134475, merci, bonne soirée Corentin, ciao. Lima, right heading 305 degrees, descend out 55,000 feet, finish 102. Lima, right heading 305 degrees, descend 4,000 feet, finish 101. Nice approach, good evening, speedboat 1787 with you. 1787, nice approach, good evening, identified climb flight level 180. Climb 180, speedboat 1787. Nice approach, speedboat 1787 at 18,000 feet. One, 126.15, good evening. Marseille, bonsoir, Speedbird 1787, avez-vous libéré par l'approche à 18 000? Speedbird 1787, bonjour monsieur, identifié, montez le niveau 360. Bon, 360, Speedbird 1787. Alors, ça y est, nous sommes avec Romain Redar en 124.20 et donc on est autorisé à descendre niveau 240. On approche sur Papa Novembre Zulu. Donc je suis désolé pour les personnes parce que je me suis énervé tout à l'heure et c'était pas dans ma volonté. Donc voilà, je suis sincèrement désolé pour les personnes qui vont payer le tribut à cause de deux gamins mal éduqués. Voilà, mais je vous tiendrai bien sûr au courant, vous inquiétez pas de toutes les informations, mais bon, malheureusement, quand vous avez des haters, des gamins incapables de piloter, incapables de voler, vous pouvez avoir pas mal de problèmes. Généralement, c'est que dans l'aéronautique que ça arrive, mais bon, quand c'est des gens en provenance d'un réseau d'aviation, je vais pas dire lequel, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. From 711, after Papa November Zulu, turn right heading 180. After Papa November Zulu, turn right heading 180. Je vais demander à Romain. Romain Redar, Speedbird 1787. After Papa November Zulu, can we proceed Ischia? Roger, after Papa November Zulu, proceed to Victor. Donc on est en clear for Victor approche et donc eh bien on se retrouvera tout à l'heure avec l'approche parce que ça va être très long, donc je coupe par partie et vous aurez donc tout à l'heure l'approche et la tour, puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Allez, à tout à l'heure. Alors cette fois-ci donc nous sommes avec Napoli Radar sur 124 350, puisque Romain Radar nous a libéré. Alors donc là ça s'est très bien passé, on est avec souvenez-vous au départ
La Tour de Nice, l'approche de Nice, Marseille contrôle, Napoli, radar, Napoli approche, et là après on va être passé avec la Tour, donc on est autorisé, on est clair à descendre à 10 000 pieds, donc niveau 100, et donc là on va se rapprocher des nuages, là progressivement, bah, c'est normal, hein, comme chaque aéroport, vous avez souvent des nuages qui traînent aux alentours de l'aéroport, donc voilà, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sincèrement désolé de m'être énervé, mais bon, malheureusement, vous avez toujours des haters, vous avez toujours des gens bêtes et stupides qui ne vous écoutent pas, et qui ne prennent pas des mesures conséquentes, donc voilà, donc ça gâche toute une vidéo, je sais, j'en ai bien conscience, je suis sincèrement désolé, mais voilà, il était temps de refaire un nouveau point, parce que ma chaîne n'est pas un lieu de dépotoir, tout comme mon Discord, voilà. Et donc on se retrouve tout à l'heure, lors de l'approche avec la Tour. Alors nous voici donc avec la Tour, cette fois-ci, alors les passages vraiment ont été coupés parce qu'en fait on vous explique rapidement, c'est pour vraiment éviter que la vidéo soit trop longue à la fin et pour que les gens puissent voir un petit peu l'approche et aussi l'atterrissage. Alors la 3000, je vais vérifier, locked, voilà, je préfère vérifier une deuxième fois. Thanks for the service, have a nice evening, bye bye. Windmill 148, welcome to Naples. Frequency switch approved, and we have a good night. Ciao, one on off it. Napoli Tower, speedbird 1787, establish 06. Speedbird 1787, say again. Oh. Port call 1661, localizer is established. Portugal 1661, Naples Tower, hello. Speedbird 1787, establish 06, we proceed visual. Speedbird 1787, proceed visual, and yeah, continue approach 06, visual approach. Ok, parfait. We continue approach visual 06, speedbird 1787. Ouais, c'est c'est la montagne, ça. Hop. Ça, c'est normal. Alors, l'approche est pas l'approche était pas terrible, là, de Napoli. Nous faire arriver en biais, en traverse, pour ça, j'ai préféré visuel. Alors... Comme j'ai... Ouais, j'ai vu. Alors, on est déjà entraîné sur des visuels approches. 06, Clitoran, speedbird 1787. Ouais, le débit de vitesse, il faut aller vite. Bravo 149, in avvicinamento ad Aversa, chiede istruzioni per. Pile poil dans l'axe. Hola. Airpro 149 orbitate sulla presente verso destra e sarete il terzo arrivo dopo una 321 Air Portugal 7 miglia in finale. Hola vache. Orbitiamo a destra numero 3. In arrivo Putain. Il traffico copiato. Grazie. Putain, il y a des montagnes en face en fait. Enfin, il y a les montagnes, en fait. Oh la vache, vous devez les contourner. C'est comme à Paro, mais en pire. Approaching minimums. Oui, je sais. Et landing. Air Canada 93, welcome to Naples. Frequency switch approved, and you have a good night. Ciao, one and off. Air Canada 93, enjoy the lockdown. Thank you for your service. Buona sera, ciao, ciao. J'ai voulu annuler l'ILS automatique, avec de bonnes conditions, mais vu comment l'avion nous faisait piquer, j'ai pas préféré.
one, continue approach, waiting for the speedboat to clear the runway, then I'll clear land right away. Roger, one. Speedboat 1787, one way vacated. Speedboat 1787, thank you. Rick, Rick, Portugal, 1661, runway 06. Bienvenue à Napoli. Transpondeur, standby. And speedboat 1787, taxi 3, stand of your choice via Tango Sierra. Accept my choice via Tango Sierra, speedboat 1787, thank you. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Napoli, il est 23h37, la température est de 22 degrés. Et comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, ma chaîne n'est pas un lieu de dépotoir, donc pour les personnes incapables de piloter et ou de contrôler, bah, ça serait bien avant de critiquer les uns les autres d'apprendre déjà à contrôler correctement et de piloter correctement et d'éviter de vous en prendre à des personnes qui sont passionnées d'aéronautique qui vous proposent des événements. Je vais proposer des événements comme je fais là, moi ça me demande de l'énergie, du temps et c'est surtout du respect en fait vis-à-vis de ma personne, donc j'aimerais bien que pour certains qui ne font pas les events, qui les regardent en replay, alors merci des commentaires positifs, mais je pense que c'est un peu plus important d'avoir affaire à des personnes intelligentes. Hein. Je veux dire, ok, vous critiquez, c'est bien, il y a des commentaires qui sont positifs, mais derrière, il y en a qui sont négatifs et il y en a qui cherchent les embrouilles, d'accord. Donc je vais parler d'un Discord sur lequel je suivais, qui est un Discord français dans l'aéronautique civile virtuelle, ce que je trouve juste dommage. C'est qu'on me bannit comme ça sans raison valable, d'accord, et qu'on donne raison à quelqu'un qui, depuis 2017, limite me fait chier, quoi, et n'est pas d'accord avec le contenu de ma chaîne, et donc ma personne. Mais je vais être très clair, moi j'en ai rien à faire, je continue d'avancer pour moi, et je continue d'avancer pour ma personne, et surtout pour les événements que je vous propose. Donc je m'arrêterai pas de vivre pour des haters, pour des gamins, d'accord. Je pense que les choses sont bien claires, et je pense avoir été suffisamment explicite sur les choses. Moi je suis désolé, je m'arrêterai pas de vivre, d'accord. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Voilà, je veux dire, les personnes vous cherchez, bah, c'est pas mon problème en fait. Pourquoi vous, moi, ma question qui est juste, c'est pourquoi vous en prenez pas à d'autres youtubeurs français? Pourquoi spécialement moi, quoi? Je veux dire, moi j'ai rien fait de mal. Je veux dire, bah, les personnes qui sont pas capables de piloter, c'est un fait, c'est tout. Je l'avais déjà dit. Donc, voilà. Thank you, continue taxi Tango Sierra to stand choice. Tango Sierra and Paris pilot description, and thank you. Air Pro 149, riportate intenzioni. Air Pro 149 in base e si prepara per il finale corto della 06. Air Pro 149 sarà atterraggio completo, touch and go? Atterraggio complesso. Et là on est en Italie, hein. C'est pas l'accent français, c'est l'accent italien che vous entendez. On va se mettre là. Copiato il vento, autorizzate l'atterraggio pista 06. Air Pro 149. Bienvenue à Napoli. Ouais, j'espère quand même que cet événement vous aura plu, mais là vous avez eu du full ATC début fin. Donc voilà, il n'y aura pas à chercher un grand merci donc aux personnes qui me soutiennent. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement, j'espère demain, entre Lisboa et Rio de Janeiro, donc au Brésil. Et puis si vous n'avez rien demain, sachez qu'il y aura l'événement du 25 qui aura lieu donc cette fois-ci vers 4h du matin entre New York et Tel Aviv. Sur ce, très bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao.